Salut les amis, c'est Willy et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur Mafia 3. Et j'ai envie de vous dire, c'est parti! En espérant ne pas avoir de bugs comme hier. Bon, là, j'avance un tout petit peu sur la route histoire de retrouver Donovan. Allez, pas de bugs, hein. Je m'attendais pas à te voir ici. Je voulais prendre un peu l'air. Cette héroïne vendue par les Dixie, là, c'est géré ici, par un certain Charlie Kincaid. Ce qui veut dire que tous les autres dealers du coin bossent pour lui. Charlie reste à l'écart autant qu'il peut, donc tu vas devoir lui mettre la pression. J'ai repéré quelques-uns de ces gars. Si tu les fais parler, ils te diront comment le choper. Bon, de ce que j'en sais, Charlie fait seulement ça pour le fric, et pas par conviction, contrairement à tous ces autres enfoirés de Dixie. Donc peut-être que si je le baratine, il pourrait accepter de lâcher Doucet et de bosser avec moi. Si j'arrive à le faire sortir. Justement, j'ai quelque chose qui pourrait t'aider, c'est ce que je voulais te montrer. New Bordeaux dispose d'un réseau de communication standard. Donc mettre en place un système d'écoute efficace, ça devrait pas être trop compliqué. Juste à installer cette petite merveille sur un boîtier de raccordement, et je pourrais établir une cartographie complète de tout le secteur. T'en as encore combien de ces trucs? Juste ça. C'est des composants surveillés par la CIA. Mais si t'arrives à en trouver d'autres, tu peux mettre toute la ville sur écoute. D'accord. Putain de merde. Ces connards qui pensent que vivre sous un régime communiste est la solution. Ils ont qu'à se casser à Moscou. Si t'en trouves d'autres comme ça, tu me les ramènes. Je trouve que tu t'en fais un peu trop. Qu'ils aillent se faire foutre, putain de traître. On se voit quand il sera temps d'agir contre Charlie. C'est incroyable. Dans mon propre pays, bordel. Foi. Ok, mon petit go. Je peux pas avancer. Ah. Pour mettre les trafics sur écoute, téléphonique, forcer les boîtiers de raccordement. Vous trouverez partout en ville. Permettra à Donovan d'indiquer sur vos cartes les cibles importantes. Oui, parce qu'on a compris. C'est quasiment toujours le même côté. Ouais, tu viens de le dire. Ok. Ouais, mais j'ai pas envie de faire la récolte des petits objets. Comment ça s'est passé? 100 mètres. Bon. On va prendre la voiture, c'est jamais. Désolé. Il a presque réussi à me renverser. Bah là, qu'est-ce qui se passe ici, là? Poussez-vous. Oh, ça va en fait. Il n'y a pas que moi qui sait pas conduire. La preuve, encore un accident. Ouais, non, mais ça, on l'a déjà vu, monsieur le jeu. Attends, par contre, c'était comment pour faire. Non, c'est pas ça. Oh, elle s'enflamme avec la voiture. Ah. Oh, je pensais l'attraper. Emmenez les enfants. Bouge-toi, champleu. Il trafique quoi à l'église qu'à toi? Il y a plein de cams à l'église. Si tu fais tout péter, le patron va s'asseoir sur un paquet de fric. Ah, il y a un bug de texture là, franchement. Ah, juste 1000$ en trafic. Bon, on va avoir besoin de toi. T'éloigne pas. Hein?
Sauvez-vous, madame! La salope est juste là. Tu pourras pas m'échapper, gamin. Ils font exprès d'être bêtes ou... Non, mais décroche-toi du mur, s'il te plaît! Commence pas! Hein? Ramenez-vous, il y a un mort par ici. C'est quoi, petit con? Voici notre... Taïo! Non mais oh, le monsieur m'a traité de petit con. Attention, manœuvre. Ah, pour le coup, c'est pas moi qui ai provoqué l'embouteillage. Hein. Ouais. Ah bah il est monsieur. Ah bah une... il est déjà le... Non mais je vais y arriver avec les touches. Là ça approche à couvert, vous pouvez facilement passer derrière les lignes. Ouais non mais ça, yoté. Salut. Le pognon, le pognon, le pognon. La santé à la fond. Comment on voit que j'ai un gilet déjà? Oh, un petit bisou. Ok, la petite barre bleue au-dessus des billes. Il y a un étage. Encore en cloque. Félicitations. Comme si j'avais besoin d'un autre moutard dans les pattes. J'avais dit prendre la pilule, mais elle est trop cadeau pour ça. Tu sais quoi? Tu ferais mieux de faire comme moi. Les putes, bien que ça le ferait. Avec un petit silencieux, ça serait pas mal. C'est moins cher, c'est sûr, mais si Dorine me chopait, elle m'arracherait les couilles aussi sec. Hein? On est fermé, les gars. Oh oh. Il bouge. Allez, je suis gentil. Ouais, y'en a partout. Pas de nul. Je vous aurai tous. Oh. Je crois que c'est un démon. Oh. Ah, par contre, l'appel à témoin, là, pas trop compliqué. Démolition, démolition, démolition. Y'a du fric. Oh oh. Attends, ils arrivent par où? Ouais oh, y'a de la violence là. Oh. Ouais. Allez, renfort là. Oh oh oh. Du premier coup. Hop là. Il est skillable, il est skillable. Ah là-bas, à gauche. Monsieur, je fais quoi? Oh, je vais y arriver dans ta tête! Oh! Ok, Taïo! Bon, lui, il est un petit peu bête. Calmez.
Ah non, fais pas dans la petite délicatesse. En vrai, c'est comme GTA, GTA, tu peux pas faire des missions discrètement. Ok. Bonjour mesdames. Pardon. Pardon. Je vous en prie. Bah alors, tu laisses tes collègues en plan? C'est bon mesdames, vous êtes libres. Le pognon, le pognon. Bon. Oh, ça va. Oh. Il y a une sensi à gérer quand même. Hein. Par contre, ça dit qu'il y a de l'argent où? Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette arme? Bah écoute, je sais pas. Bon, allez, on m'attuture. Je vous déconseille de l'asticoter. Oh. Je crois que cet homme est armé. Oui. Je suis armé, madame. Est-ce que vous voyez ce qu'il a dans le truc? J'ai pété un plomb. Pas moyen de chier de garde les recettes de pense de bois et les trucs de la mer. Oh, on peut changer la vue. Par contre, là-bas, on peut pas sortir. Oh, attention, je manœuvre. Presque parfait. Oh, attention, c'est moi que voilà. C'est bizarre que la caméra change comme ça. Vous êtes combien de méchants? Qu'est-ce que tu me fais enfuir? Cool, ça. Je viens de voir. Facile la mission. S'il n'est pas là, c'est qu'il est ailleurs. Tu vas me parler du trafic de drogue. Les hommes de main du patron font du deal à Del Rey. Recruter. Allez. C'est à moi, tu dois des comptes. Oh. Ah, il veut quoi ce trou du cul? Oh, il m'a dit trou du cul. Oh là là. Oh là là, moi tu pas trou du cul, hein, monsieur. Ah. Oh, il l'a éclaté comme un rôdeur. Pourquoi prendre des risques? Ouais, oh oh oh. Pardon. L'amour de Dieu. Bon bah tant qu'à faire. Merci. Attention hein. Oh mais vas-y passe mec. Attention.
On va pas loin. Pardon. Wow. Ah bah ouais, ça fait mal hein. Regardez où vous allez. Pousse auto. Oh, je pense c'est bien ça. Difficile de pas se demander si ça en valait la peine. Bon alors toi. En vrai, c'est tellement bien le jeu au corps à corps. Par contre là je vois pas c'est qui le méchant là. On est sur le. Oh. J'avais cru me tromper mais non. Il se torcherait avec tous ces oseilles. Ouais, salut, ça va. Ah ouais, c'est facile. Allez, ramasse. Ah, il va pas. Parlez à Donovan. Ok. Bon sang, dégagez. Oui, je m'en vais. Après tout, on veut régner sur la ville. Il faut se la jouer bourrin. Ouais, non, c'est bon. J'ai écouté le Charlie, mais c'est pas un mauvais bougre. C'est un brave pécor. Sa femme est enceinte. Va savoir par quel miracle. Un homme dans sa situation se fout de savoir pour qui il bosse, du moment qu'on le laisse vivre. Le pauvre bougre chouine quand il commence à parler des noms. Pour l'instant, c'est entre Bossefus et Thomas Lee. Enfin bref, ces gars ont bouclé l'église et pour la plupart, ils sont du genre cutéreux qui tirent avant de poser des questions. Mets la main sur Charlie et il fera ce qu'on lui dit de faire sans brancher. J'ai mis à jour toutes tes infos. Tu retournes au motel ? Dès que j'aurai mangé un morceau, on se voit quand on aura terminé avec ces connards de consanguins. Bug ou pas ? Oh, c'est fou qu'il y a des bugs comme ça. Pourtant, moi, ce jeu-là, je l'avais fait à l'époque, dès sa sortie. Ben, il n'y a jamais eu aucun souci, mais je sais pas, plus t'avances, plus les jeux sont buggés. Pourquoi ? Il va très bien à la sortie, pourquoi quelques années plus tard, il bug à mort ? Bizarre. Oh là là. Sinon ça va vous? Passez un bon moment. Ah! Allez! Ah, franchement c'est bizarre les bugs de texture là. J'ai jamais vu ça. Ouais, recruter, mais t'inquiète, nous on y va. On y va. Et tu aurais pas dû laisser l'héroïne à Charlie. Charlie ou je sais pas quoi. Il vaut pas la moitié de son vieux, ce con. Chier. Qui est l'élu?
Allez, venez. Bléau. Ouais, franchement, un bon petit silencieux là. Bon, je serais pas sûr de moi pour mettre des têtes, mais bon. Que Dieu te garde. Je crois qu'il fallait passer par en haut, mais. Est-ce qu'il y a vraiment un chemin? Pas d'ouverture. Je vais sauter dessus comme assassin. Oh, oh. On est dans la merde. Non, je m'enfuis, je m'enfuis. Non. Moi jamais. Ah, je t'ai vu sur le radar. Oh. Ouais, des renforts. Je sais pas quoi c'est le coup. Oh mais arrêtez, ça vise quasiment tout maintenant. Oh. Ah ouais là. Ah mais tourne le joystick. Je dois recharger. Et mes sorts, bande de connards. Vous suivez. Moi je veux bien fighter, mais bon si le joystick il dit non, je tombe pas, voilà. Oh mais arrêtez de venir pas venir. Ça se fait pas. Oh. Je savais pas qu'il était si long pour recharger. Ouais, y'a rien. Ah. On va me donner un petit peu de munitions. Oh ouais, lui là-bas, ça va être chaud. Monsieur. Oh, tu meurs ou pas? Merde. Continuez à perdre des gars comme ça. Oh, mais j'ai pas envie de prendre la bombe, c'est nul les pompes. Ah tiens monsieur, vous avez l'air costaud. Je te vois là-bas. Va bien. Prends des munitions. Hop là. On passe par là. Oh, il m'a pas vu, il m'a pas vu, il m'a pas vu. Taillon. Tire à travers ça aussi. Ouais.
Coucou. Donc mettre un mode de trafic peut permettre d'accroître le potentiel de profit du trafic que vous situez. Ouais, mais est-ce que je dois lui tirer dessus quand même, hein? Oh! En visuel, je l'allume. Bourgeois! Fils de pute! Oh, mais arrêtez! Ah, on va se renfoncer sur moi. Allez, recrutez. Moi et tu vivras suffisamment longtemps pour fonder une famille. Ok, c'est bon. Tout ce que tu veux. C'est bien, Charlie. C'est très bien. Wouhou! Bah toujours à Cassandra, de toute façon, il y a qu'elle. Envoie tes hommes à la première église baptiste. J'ai réglé leur compte au Dixie. Je t'envoie quelques-uns de mes hommes. Et... merci. Merci de décliner votre identité pour l'enregistrement. Donovan. John. Monsieur Donovan, vous comprenez bien qu'en vous présentant devant ce comité, vous renoncez officiellement à vos droits constitutionnels concernant le recours à un avocat et l'auto-incrimination. Oui. Et vous reconnaissez aussi qu'en comparaissant devant ce comité, vous acceptez de divulguer des informations concernant les événements survenus à New Bordeaux pendant l'été et l'automne 1968. Je serais pas là si c'était pas le cas. Vous étiez un agent de la Central Intelligence Agency. Entre 1953 et 1969, est-ce exact? C'est exact. Quand êtes-vous arrivé au Vietnam? En août 1961. Veuillez décrire à ce comité les différentes actions que vous avez entreprises au Vietnam. Eh bien, j'ai passé environ 2 mois à Saigon. Puis j'ai été transféré vers une base au Laos, dirigée par la division des activités spéciales. Nous avons équipé et formé les Hmong, puis nous les avons lancés contre l'armée nord-vietnamienne, qui a acheminé des armes et des ravitaillements par la piste Ho Chi Minh. Et vous avez travaillé avec Lincoln Clay, à ce qui deviendra plus tard le programme Phoenix. En l'espace d'un an, Lincoln dirigeait sa propre unité de reconnaissance. Au Vietnam, on s'occupait de localiser les ennemis, et ensuite, soit on les tuait, soit on les ramenait afin de les interroger. Et quand j'y repense... putain, merde. Vous imaginez même pas ce qu'on pouvait faire à ces enfoirés. On arrive dans un bug, non. Mais c'est énervant! Parler à Cassandra! Ah bah ouais, bah. T'es marrant toi! Ok, je découvre des choses. Alors, du coup, faut faire quoi? Comment on quitte reprendre? Franchement, c'est chiant! J'ai jamais eu un seul bug quand je l'ai fait! Alors, quand par hasard on a envie de le proposer en let's play, bah non! Je te fais bugger. Heureusement les musiques ils sont bien. Voilà. On fait un sacré ménage ici. Et c'est grâce à toi. Ouais, ouais, précise bien. Ah, franchement, depuis le temps, ils ont dû faire des mises à jour. Ils ont cassé le jeu.
C'est mise à jour pour le péter. T'as résolu le problème? Oh non, non, je n'ai créé des nouveaux. Allez, descends. Heureusement, j'aime bien l'histoire. Le nom de cet homme est Jesse. On était en train d'avoir une petite conversation à propos de Richie Doucet. Écoutez, moi j'ai fait que dalle, vous entendez? Je sais rien du tout. Je me promenais, je marchais dans la rue et elle m'a chopé comme ça. T'es avec les Dixie, c'est ça? Non. Enfin si, mais... Merde. J'ai fait ça pour le fric, ok? J'ai rien de personnel contre vous. J'ai même pas de flingue sur moi. Où est Doucet? Il est au parc d'attractions abandonné, à l'ouest. On part en samedi. T'as une idée de ce qu'il fout là-bas? Il paraît que c'est parce que vous foutez la merde. Georgie est en train de péter un câble. Il veut que Richie crève. Alors Richie, il s'est barré avec ce qui restait d'héroïne, et ensuite, il a dit qu'il la jouerait discrète jusqu'à ce qu'il ait réglé ses comptes avec Georgie. Il a combien d'hommes avec lui? Putain, je sais pas, moi, tous ces hommes. Passe-moi ton couteau. Non, oh non, pitié, je vous ai rien fait du tout. Pitié, je vous en supplie, ma maman, ma pauvre maman. Dégage, allez. Il pourrait prévenir Doucet. Non, il fera de mal à personne. Laissons-le retourner chez sa mère. Si tu te trompes, il y aura un prix à payer. Tu es Richie. Ta-ta-ta-ta-ta. D'accord. Saper ses opérations criminelles pour le contrôle. Ouais. Rendez-vous au parc du Baron. Ouais. Ma voiture. Attention, c'est moi que voilà. Ça va, madame? Bon, de toute façon, je vous l'ai dit, hein, on essaie de pousser un peu plus les vidéos, que ce soit un peu plus long. Parce que là, lâcher en mode... On a juste fait une église, c'est pas ouf. Bon, comment tu montes? Regarde. Je le sens mal, putain. Richie ferait mieux de régler ses histoires. Eh, hey, fumier. Oh. Bonjour. Je fais que passer. Bienvenue au parc d'attractions du Baron Samedi. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. Alors, mettez vos soucis de côté et amusez-vous. Mais méfiez-vous. T'as comment on fait ça? Je ne sais jamais ce que ce vieux vislard de Baron. Comment on fait pour un zoom? Comment faire zoom? Ah. Ouais, après ça change rien, hein, je suis nul. Oh, tire dessus! Oh, j'ai bougé! Monsieur. Ah, là-bas. Est-ce qu'on peut? Y'a pas un mode. Tu retiens ton saut? Oh, eh oh, calme-toi, toi. On va ralentir. Oh, ça touche même pas. Eh, comment je suis trop nul dans le zizi.
Oh wesh. Ouais, attends, faut que je crois que j'arrive. Attention, live. Ah, ils m'ont perdu de vue là. Ah, et la poubelle a même fait repérer. Putain, la vête s'est tirée. Je suis merde, je vais aller m'amuser un peu. On est en train de. Je suis meilleur encore à corps. Tombe-lui dessus, Harvey. Non. Oh là. Est-ce qu'il est mort? Non, bah non, c'est que la tête. Toi, je t'ai vu. À la charge! Appelez-moi John Wick. Allez, s'il te plaît. Bon. C'est moi de cet enfoiré. Allume-le. Oh. Moi, mon gars. Ah, je t'ai eu. En vrai, la carabine va bien. Bienvenue au Bone Rattler, une dernière demeure qui n'est pas de tout repos. J'ai jamais voulu me retrouver dans ce merdier. C'est trop tard pour des retraites, con. Ou je t'encule là, ou je t'encule. Pour votre sécurité, je t'en prends de ton copain. À l'intérieur des cercueils, et tenez vos enfants à l'œil. Profitez bien du voyage. Par contre, j'ai pas un seul cocktail alors que Peter, je passe devant, ça a l'air mince. Monsieur. Bon, je vais me faire avoir là. Il nous met une branlée. Eh, fumier, c'est Giorgi qui t'envoie. C'est ta maman. Aïe aïe, il m'a fait mal. On va récupérer un petit peu de munitions quand même. Ouais, il y a que des balles de pompe. Hein. Du coup, c'est pas où. Eh, enculé, on sait que t'es quelque part dans le coin. Ah, je suis devant toi, babache. Oh, oh, comment ça a vite bougé d'un coup. T'es mort. Ça me gratte à mon bras. Il sort quand même avec son sniper là. Oh, il m'a fait mal. Eh, hey, cache-toi. Je vais me terrer dans un coin. Oh. Salopio. Cherche et tu trouveras. Oh, t'as volé toi. Oh, oh, je sais pas lequel prendre. Eh bah tant pis.
Oh. Ah, ça tire, ça tire. À côté de moi, viens le tour. Ta-ta-ta-ra-ra. Aïe. Et comment t'as plus de balles? Pouah. Hein, je comprends pas. Ouais, pourtant, je peux pas les ramasser. À mon avis, il y avait qu'au début, on avait le droit. Voilà. Oh. Comment je tire trop bien? Cache-toi! Vous verrez par vous-même. Oh! Ta-ta-ta-da-da-da-da-da-da. N'empêche, il n'y a pas de soin. Hein. Il était une fois dans un petit village de nègres, au plus profond du bayou, très loin de la civilisation. C'était là que les esclaves enfuis seraient. Ah, du Uber! Et quelque chose d'autre vivait ici. Une créature du mal qui était dans l'ombre. Ah, et toi? Façon de vivre. Mais à cette époque, les nègres vivaient dans la paume du Seigneur. Et nombreux furent ceux qui sont morts du lac de feu. Et bientôt, ils renouèrent avec les traditions de leurs ancêtres d'Afrique. Et un de leurs anciens, un certain Papa Virgile, les réconcilia avec une ancienne magie impie, le faune. C'est alors que Papa Virgile se choisit un autre nom. La tire de où, là? La créature des ténèbres fut alors que son heure. Des hommes et des femmes et même des enfants se mirent à disparaître. Une grande terreur s'empara des gens. Et dans tout le village, un nom retentissait. Ah, ils sont blessés. Un homme bête, recouvert de fourrure, la gueule hérissée de gros tranchants comme des rasoirs. Beaucoup de nègres s'en allèrent le pourchasser. C'est vrai que le mode ralenti, c'est plutôt pas mal. Au comble du désespoir, les simples des souris déposèrent partout dans le bayou des fourrures. J'en reviens pas que Georges Jourbois verse sa dent. Et toi, mec! Au garrot de sévir, au contraire. Bien au contraire. Allez, monsieur! Le héros dont ils avaient soif de besoin fut un jeune prêtre. Ouais, oh là, y'en a marre! Le seigneur avait donné le père Michael pour sauver ses brebis des garrots et pour tuer le roux garrot. Pendant des jours, il. Non, mais oh! Réfléchis un peu, merde. Tu crois que tu peux venir comme ça et voler mon héroïne sans te faire remarquer? Je suis pas là pour ton héroïne, Richie. Je suis là pour te faire payer ce que t'as fait à Sammy et Elise Robinson.
J'ai absolument rien à voir là-dedans. Je t'ai vu planter Elise dans le ventre. Je pouvais rien faire à ce moment-là, mais maintenant je vais pas brûler. Putain de merde! C'était pas mon idée, t'entends? C'était Georgie, juste lui et son père. C'est eux qui voulaient vous buter, pas moi. Oh. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse, leur dire non? Soit ça, soit t'assurer que j'étais mort. Oh non, non, non! Non, pitié! Attends, écoute, écoute, laisse-moi au moins faire une dernière prière avant de me tuer. Tu prieras en montant. Quand j'ai vu que Richie Doucet avait été pendu à la grande roue, je suis resté complètement incrédule. Je n'avais encore jamais rien vu de pareil. Les mafieux passent leur temps à s'entretuer, mais il s'agit en général de petits accrocs ponctuels. Un Rital mange des spaghettis aux boulettes de viande dans son restaurant préféré et se prend une balle dans la tête. Mais là, c'était autre chose. Avant même de savoir qui l'avait refroidi, je savais que Richie était là pour l'exemple. Lincoln avait été formé à la guerre psychologique par la CIA. Il voulait faire peur à la pègre, leur faire savoir qu'il les tuerait les uns après les autres et que rien ni personne ne pourrait l'arrêter. J'aime bien les petits débriefs comme ça. Parler à Cassandra. Bon, bah écoutez les amis, nous je pense qu'on va s'arrêter là. Je pensais pas faire le parc aussi rapidement. Bah c'est vrai que le mode ralenti, je l'avais débloqué hier. Ouais, il y a que là que je viens de m'en rappeler qu'il fallait s'en servir. Hein. Ça aide vachement. Donc, bah, du coup, nous, on s'arrête là, comme je l'ai dit, et on se revoit dès le lendemain, comme tous les jours, à 17h, pour la suite de l'aventure. Voilà, voilà. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo, elle vous a plu. C'était Willy. Je vous fais des bisous, bisous. Ciao, ciao.